Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la guidance de ce mercredi 10 mai 2023. Commençons tout de suite avec le premier signe, les béliers. Bonjour les béliers, pour vous accompagner en ce mercredi, votre tendance, nous avons un 3 d'air, 3 d'épée. Ce n'est pas une carte facile, je vous l'accorde. On nous parle d'une grande tristesse, de prendre le temps de panser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Le 3 d'épée qui nous parle de séparation, d'arrêt, de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine, qui se sépare pour pouvoir passer à la suite. Bon, c'est décevant, ça fait mal, ça cause de la tristesse. On peut même en atteindre à votre dignité. Avec le petit Lenormand, nous avons la tour qui nous parle soit de vos pensées, soit d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, l'entreprise pour laquelle peut-être vous travaillez. Enfin, toujours est-il que là, on voit bien qu'il y a peut-être quelqu'un dont il faut se méfier, ou alors des échanges avec une personne concernant la famille ou le travail. Il y a du stress, il y a quelque chose qui vous est peut-être un petit peu grignoté, un peu d'angoisse, toujours est-il que vous en allez vers du changement positif. Donc là, il y a peut-être un départ d'une entreprise ou d'une activité, enfin quelque chose qui cesse, qui s'arrête pour aller vers autre chose. Au centre du petit Lenormand, effectivement, on est bien sur la fin d'une situation. On clôt un chapitre, on clôt une histoire, on clôt une relation. Enfin, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers de la nouveauté. Alors, ça peut être vraiment par rapport avec une femme, ça peut être par rapport à une situation qui a été empreinte de jalousie, de mesquinerie, de coup bas, une affaire sac de nœuds. Là, enfin, ça prend fin et vous allez pouvoir passer à la suite. On parle bien de déplacement, de voyage, de partir. On peut parler que c'est aussi peut-être en relation avec quelque chose de financier. Toujours est-il que là, il y a quelque chose qui se termine et peut-être qui est blessant, qui vous a fait mal. On vous parle toutefois de prendre le temps de penser vos blessures, ce qui est logique vu qu'on retrouve l'étoile qui est ici, qui nous parle bien de passer en mode guérison, d'être protégé, de pouvoir avoir un moment où on va se sentir mieux toutefois et qu'on va pouvoir quand même accéder à ce que l'on souhaite. On voit bien que par rapport à vos émotions, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais n'ayez aucune crainte. Avec la carte de la lune, c'est une carte très positive qui nous parle de vos activités, de votre travail, de votre famille, de votre lieu d'habitation. Elle nous parle également d'atteindre les honneurs. Donc, par rapport à une situation compliquée, vous en arrivez vraiment au bout là. C'est quelque chose qui a généré tristesse, qui vous a demandé d'être fort, d'être patient, d'être dans l'endurance. Là, enfin, vous allez pouvoir passer à la suite. On voit bien qu'il y aura peut-être des rendez-vous, des rencontres qui vont mettre fin à une situation et ça va très certainement vous agacer, vous rendre un petit chouïa chonchon. Ou là, c'est quelque chose vraiment qui est épuisant. Heureusement, vous en arrivez au bout. On retrouve du coup de l'apaisement, on retrouve du mieux-être, on passe en mode guérison. Il y a des choses qui s'arrêtent très subitement. Vous prenez vos décisions très rapidement et vous pouvez passer à la suite. On peut parler vraiment de partir beaucoup plus loin. On s'en va, on passe vraiment à autre chose. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on voit bien qu'on peut rencontrer du monde, qu'on va retrouver de l'apaisement, qu'on a des échanges qui sont protégés. Alors ça peut être grâce à une femme ou à cause d'une femme. Ça peut être en rapport avec une situation qui est un petit peu compliquée. Toujours est-il qu'effectivement, vous en arrivez au bout. On retrouve l'énergie de la croix qui est là, que l'on a juste en dessous également. Ça peut aussi être en relation avec quelque chose donc qui concerne la famille, mais aussi vos activités professionnelles ou activités tout court. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, là, il est clair qu'on arrive au bout de quelque chose. Rupture de contrat, démission, on s'en va, enfin, il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui a été pénible, et là, vous allez vraiment vers de la nouveauté. Vous avez le soutien d'une personne de confiance, et pour cela, vous allez très certainement rencontrer du monde. Rendez-vous, entretien, enfin bon, on n'est pas seul, on voit quelqu'un, on voit du monde, et ça met fin vraiment à une situation qui a été vraiment difficile pour passer à du renouveau. Au niveau financier et matériel, on peut voir qu'il peut y avoir soit des rentrées d'argent ou des choses qui sont peut-être un petit peu agaçantes, qui sont répétitives, qui sont usantes. Peut-être qu'il y a des choses que vous attendez qui ne viennent pas aussi vite que vous souhaitez. Ça concerne du coup la famille ou les activités pro. Et on voit bien qu'il peut y avoir des sommes qui sont bloquées ou qui sont retardées et du coup ça vous énerve, ça vous agace, ça vous épuise. C'est ne perdez pas espoir car avec la lune, vraiment c'est quelque chose qui va quand même vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. Donc ne lâchez pas l'affaire. Message de conclusion pour cette journée avec le petit oracle des runes. Nous avons, c'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande à naître? On est bien sur la fin de quelque chose et à l'aube d'un nouveau projet. Bonne journée!
Bonjour les taureaux, pour ce mercredi, votre tendance, nous avons un magnifique 6 de feu. On nous parle de triomphe, de victoire. Victoire, on est sur le point de vous annoncer des bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Là, assurément, vous passez la ligne d'arrivée en premier. Vous êtes reconnu pour vos valeurs. C'est le triomphe, la victoire, la joie. Enfin, vous allez faire quelque chose de vraiment de très positif. En dodec avec le petit normand, on a l'anneau. L'anneau qui nous parle d'accord, d'union, de relation. On voit qu'il y a peut-être un contrat qui se signe ou quelque chose qui s'établit avec une personne de confiance, un ami, la famille, le conjoint. Enfin, il y a quelque chose qui unit deux personnes. Et ça va générer pas mal d'abondance au niveau des finances, au niveau des sentiments, au niveau de vos activités pro si vous êtes indépendant. Il y a quelque chose qui peut-être qui se renouvelle pour certains. On peut parler de renouvellement de contrat. Pour d'autres, on peut parler que c'est une situation qui a demandé de fournir quand même pas mal d'efforts et qui peut-être a été un petit peu épuisante. Au centre de votre tableau, on a l'arbre. L'arbre qui correspond à la famille, à vos racines, à vos liens, à votre bien-être personnel. On voit là avec l'encre que vous retrouvez de la stabilité, que vous atteignez vos objectifs par rapport peut-être à quelque chose de familial ou tout simplement vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien. On voit qu'il peut y avoir des rendez-vous, des rencontres, enfin des choses qui permettent de voir du monde où on s'amuse, où c'est plus léger. Enfin, il y a quelque chose de bien plus stable qui vous fait avoir la banane. On peut voir qu'on retrouve de la stabilité par rapport peut-être à une situation qui a été compliquée, empreinte de jalousie, de mesquinerie, de coups bas. Ça peut également être en relation avec une femme. On voit bien que c'est quelque chose qui a ou qui a encore porté un petit peu à confusion, sur laquelle peut-être vous n'y voyez pas très clair, enfin qui vous a posé un petit peu souci. Peut-être par rapport à quelque chose qui concerne la famille ou vos activités professionnelles. Donc là, vraiment, on retrouve de la stabilité, on retrouve de l'ancrage, on atteint ses objectifs par rapport à quelque chose qui concerne la famille ou le travail, même si pour l'instant c'est encore un petit peu confus, peut-être qu'on n'y voit pas clair ou il y a encore peut-être des points à éclaircir. Par rapport justement au foyer, à la maison, à la famille, on voit bien qu'on retrouve de la stabilité, on progresse, on se sent mieux. Alors ça peut être par rapport à des démarches avec un organisme d'État, un organisme officiel, ça peut être par rapport juste avec vos pensées. On voit là qu'on va sur quelque chose qui va évoluer, qui va progresser lentement mais sûrement. Toujours est-il qu'il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. On voit bien que par rapport à cette situation qui a été compliquée ou par rapport à une femme, on a rencontré des blocages. Là, de toute façon, le mont bloque les mauvaises intentions, bloque tout ce qui est un petit peu compliqué, sac de nœuds, enfin mesquinerie, jalousie. Là, on voit que ça s'arrête et que vous allez retrouver un peu plus de légèreté et voir du monde, avoir des entretiens, des rendez-vous. Enfin, il y a peut-être des choses qui vont se conclure grâce justement au fait que ces mauvaises choses sont bloquées. Au niveau famille, émotion, relation, on voit bien que par rapport à une femme, ou grâce à une femme, par rapport à quelque chose qui concerne la famille, la maison, le bien-être, le lieu d'habitation, eh bien, on atteint ses objectifs. On atteint de la stabilité. On peut signer un contrat, une union, un accord, quelque chose dans ce goût-là, quelque chose qui a demandé peut-être pas mal d'efforts, hein, qui a peut-être été épuisant, énervant, agaçant. Et là, on voit bien qu'on retrouve la carte de l'anneau qui est ici, que l'on a juste là également. C'est quelque chose qui va certainement vous demander de vous déplacer ou peut-être également de prendre des décisions, de faire des choix. Avec vos activités pro ou vos activités tout court, bon, on va pas se le mentir, il peut y avoir des petits retards, des petites choses qui sont encore bloquées, qui sont encore coincées par rapport peut-être à votre progression, à votre stabilité. Il peut y avoir des choses qui sont encore un petit peu confuses, cachées. Ça peut être par rapport tout simplement à des échanges administratifs, des papiers tout simplement qui ne sont pas encore réglés, peut-être en relation avec du financier ou encore qui concerne le conjoint, un de vos parents, un supérieur, enfin quelque chose dans ce goût-là. Toujours est-il que là, vous allez très certainement vous déplacer ou avoir des nouvelles d'un bâtiment d'État, l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Ou alors vraiment, juste par rapport à vos pensées, vous allez quand même tout de même réussir à retrouver de l'apaisement. C'est protégé, donc pas d'inquiétude. Et vous atteindrez quand même ce que vous souhaitez. Mais il faut fa faire preuve de patience et d'endurance et de courage. Au niveau financier, matériel, on voit qu'on peut avoir des rendez-vous au sein d'une entreprise, au sein d'un bâtiment, à la banque, pourquoi pas aussi. On voit bien qu'il y a des choses qui sont un petit peu confuses. Ça peut être en relation avec la famille ou les activités professionnelles. Toujours est-il qu'on va avoir des échanges, des communications à ce propos, et ça concerne un contrat, une union, un accord, et vous allez vraiment vous déplacer très certainement au sein de ce bâtiment. On l'a là, on le retrouve là, et on parle bien de finances ou quelque chose qui a rapport à, soit au financier, soit au conjoint, soit un des parents, soit avec une personne qui a du pouvoir.
Message de conclusion avec le petit oracle des runes, nous avons « Et la lumière fut. Le jour est de retour sur la nuit. C'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. Célèbre ton succès tout en restant humble. Félicitations. » Voilà, vous avez vraiment la victoire par rapport peut-être à des choses qui ont été compliquées, qui ont été empreintes de jalousie, de nœuds, ou sur lesquelles vous n'y voyez pas clair, qui s'étaient bloquées. Ça vous a demandé pas mal de patience. Eh bien là, ça c'est clair, vous allez pouvoir dénouer tout ça et passer à la suite. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, pour ce mercredi, votre tendance, nous avons un magnifique 4 de feu, 4 de bâton. On nous parle de contentement, de paix et d'abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Le 4 de feu, 4 de bâton, effectivement, on est stable, on se sent bien avec les siens, dans ses activités, dans ses projets. Il y a quelque chose qui peut être célébré, qui peut être justement conclu tout simplement pour cette journée. On voit qu'en dos de deck, on a effectivement le soutien d'une personne de confiance, conjoint, ami, famille, enfin une personne qui peut aussi avoir de l'autorité. Enfin, en tout cas, vous n'êtes pas seul. Alors, ça vous concerne directement, vous, madame, si vous êtes une femme ou une femme qui est chère à votre cœur. Et ça peut être en relation, du coup, avec le financier ou avec votre conjoint, avec une personne qui a de l'autorité, avec un de vos parents. Au centre du tableau, on a le fouet qui nous parle d'épuisement, d'agacement, de choses qui se répètent, qui peuvent se renouveler, pourquoi pas. Bon là, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu tendu au niveau des échanges, des communications, il y a peut-être même des engueulades, on va dire, hein. Mais bon, toujours est-il que ça va vous permettre toutefois d'atteindre ce que vous souhaitez, d'atteindre de la stabilité, d'atteindre vos objectifs. Donc peut-être qu'il s'agit juste de défendre son bout de pain, c'est justement peut-être par rapport à ce chien, hein, cet ami, cette personne de confiance, on peut avoir des échanges qui sont un petit peu tendus, qui peuvent générer toutefois un petit peu de stress. On retrouve le stress qui est là, que l'on a juste à côté également. On voit qu'on peut avoir des échanges pour cette journée oraux, des communications avec une femme ou alors avec une personne qui n'est peut-être pas spécialement agréable, dont il faut se méfier. Ça peut être en relation avec un bâtiment d'État, une entreprise, enfin quelque chose qui peut-être demande à être dénoué, un sac de nœuds, une problématique hein, qu'il faut résoudre. Et pour cela, vous êtes très certainement vous déplacer ou au moins toutefois en avoir des nouvelles ou de la visite. On peut avoir bien sûr de la visite d'une femme. Pour cette journée, tout simplement, vous allez avoir des échanges qui sont peut-être un petit peu tendus, ou alors on va essayer de mettre à plat une problématique. Toujours est-il que ça va générer certainement un petit peu de stress. Pour autant, on voit bien que grâce à tout ça, ces discussions un petit peu stressantes, visites, nouvelles, déplacements, eh bien, malgré le fait que ça peut générer un peu de tension, ça va tout compte fait à la finalité générer quelque chose de très agréable. On peut parler de renouvellement de quelque chose ou alors finalement avoir quelque chose qui vous satisfasse d'un point de vue financier ou concernant vos activités si vous êtes indépendant ou alors par rapport justement à vos sentiments. On voit bien que par rapport à une femme ou une situation qui est un petit peu compliquée en relation avec le travail ou les activités familiales, eh bien on atteint ce que l'on souhaite, on atteint ses objectifs, on retrouve de la stabilité. Au niveau famille, émotion, relation pour cette journée, on peut avoir des discussions avec une femme. Ça va permettre vraiment de pouvoir avoir quelque chose qui vous satisfasse. Ça va vous permettre de retrouver de l'espoir, de retrouver du bien-être, de retrouver vraiment quelque chose d'agréable. Et ça va générer des sentiments, ça va provoquer des émotions. Au niveau de vos activités tout court ou de vos activités professionnelles, là, on voit qu'il peut y avoir quelque chose qui frite un petit peu, hein. Il y a des choses qui sont épuisantes, stressantes, angoissantes, hein. C'est peut-être par rapport à un contrat, une union, un accord. Et pour cette journée, très certainement, vous aurez des rendez-vous, des entretiens. Enfin, vous allez voir du monde et peut-être même que vous en aurez des nouvelles par écrit, pourquoi pas. Au niveau de vos activités financières et matérielles, là, on voit qu'on a de la visite, ou alors on a des nouvelles, ou alors encore on se déplace. Toujours est-il que ça va vraiment vous permettre d'atteindre vos objectifs et de retrouver de la stabilité. Ça va très certainement aussi vous demander de faire des choix, ou encore une fois, comme je vous le disais, de vous déplacer pour cela. C'est en relation avec soit le professionnel, soit le familial. Et c'est aussi en relation, soit vraiment avec du financier, ça tombe bien dans le domaine, ou alors ça peut aussi concerner soit votre conjoint, soit un de vos parents, ou vraiment une personne qui a de l'autorité. Message de conclusion avec le petit oracle des runes, nous avons ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention. À toi de semer les bonnes graines. Bonne journée! Bonjour les cancers, pour vous accompagner ce mercredi, nous avons un 7 d'air. Ouh, ouh, ouh. On nous dit que
Vos plans ne se passent pas comme vous pensiez. Revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Le 7 d'épée qui nous parle de vol, de perte, de coups bas, de choses qui ne sont pas spécialement agréables, on vous invite là, effectivement, si vous voulez vraiment à en terminer avec cette situation qui est un petit peu confuse ou qui ne vous satisfait pas, à prendre le taureau par les cornes pour régler l'affaire une bonne fois pour toutes, afin qu'elle ne se représente pas une nouvelle fois devant vous. En dodec avec le petit normand, nous avons les nuages qui nous parlent de vos pensées, qui nous parlent de choses qui sont peut-être un petit peu confuses, sur lesquelles on ne voit pas très clair, en rapport avec la famille, le foyer, la maison, votre bien-être intérieur. On peut avoir des nouvelles de la visite ou des déplacements à ce propos pour cette journée. Au centre de votre tableau, on a la lettre. Donc on peut avoir des courriers, des nouvelles, enfin des choses qui apparemment vont être très agréables. Une belle opportunité, un coup de chance à saisir qui va vraiment vous apporter du soleil, de la joie, du bonheur, ou vous permettre justement d'y voir clair par rapport à une situation. Ça peut être un mouvement d'argent qui arrive, hein, tout simplement. On peut aussi avoir un déplacement assez loin de chez soi, mais qui va être heureux, qui va vous satisfaire. Mais là, ça va certainement vous demander de trancher, décider, et ça de façon assez soudaine et rapide. On peut avoir vraiment une belle opportunité qui concerne vos activités, qui concerne la famille, un projet, le passé, enfin quelque chose qui va vous demander de vous décider rapidement ou de trancher, de mettre fin peut-être à une situation. On voit toutefois que ce courrier, ces messages, ces écrits que vous allez recevoir, ces nouvelles, eh bien, vont vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs, de vous stabiliser, de vous ancrer. Ça va peut-être toutefois vous demander également de vous déplacer ou encore de faire des choix par rapport à une situation. On a des solutions qui arrivent qui vont vraiment vous réjouir par rapport à quelque chose de financier, par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage ou quelque chose qui vient de loin et ça peut être très rapide. Donc au niveau famille, émotion, relation, on voit bien que on atteint ses objectifs par rapport soit à du financier, soit par un déplacement, un voyage, enfin une belle opportunité qui arrive vers vous. Alors ça peut vraiment arriver si c'est des finances, si c'est du mouvement financier, ça peut arriver d'un bâtiment officiel, d'un bâtiment d'État, d'une entreprise. Toujours est-il que ça vous permet vraiment d'atteindre le port, on va dire, de vous stabiliser, de vous ancrer, de vous sentir bien par rapport peut-être à une situation qui a été un petit peu difficile, épuisante, harassante, énervante, enfin qui vous a peut-être un petit peu millénaire, un petit peu emplotte, il faut bien dire ce qui est toujours réticulaire, ça va être tranché et décidé, et ça de façon assez rapide. C'est vraiment en relation soit avec du financier, soit avec votre conjoint, soit avec un de vos parents ou une personne qui a de l'autorité. Par rapport à vos activités professionnelles ou vos activités tout court, nous avons bien des lettres qui arrivent, des nouvelles qui vont vous permettre de trouver des solutions, qui vont vous permettre justement de retrouver du bien-être, hein, tout simplement. Ça peut vraiment être en relation avec du financier, avec le conjoint, avec un parent ou une personne qui a de l'autorité. Et ça va certainement vous permettre de trouver des solutions justement par rapport à une situation qui était confuse, sur laquelle vous n'y voyez pas très clair, où il y avait des doutes, des zones d'ombre, des choses cachées peut-être. On retrouve l'énergie des nuages qui est là, que nous avons en dodec, et avec la lune, on peut dire effectivement qu'il y avait peut-être des choses qui n'étaient peut-être pas spécialement très claires. Enfin là, ça c'est clair, vous trouvez des solutions. Au niveau de vos activités financières et matérielles, on a des décisions qui sont prises très rapidement, c'est tranché, décidé. Ça va vous demander de vous déplacer ou effectivement de faire des choix, et ça vous apporte la joie, le bonheur, enfin la sérénité. Ça vous apporte également de la nouveauté, ça vous apporte le fait de vous sentir mieux, de vous sentir bien, par rapport à quelque chose qui peut-être a été un petit peu agaçant. Message de conclusion avec le petit oracle des runes, nous avons ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. Ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement, puis rassure-les. Illumine tes ombres, tu es capable de tout. Ça me fait un peu penser au 7 d'air qui nous parle de choses qui ne sont pas facile à gérer, mais en prenant effectivement le taureau par les cornes, vous arriverez à ce que vous souhaitez. Bonne journée. Bonjour les lions, pour ce mercredi, votre tendance, nous avons un 5 d'épée, 5 d'air. On nous parle que vous sortez victorieux d'un conflit, vous avez gagné une petite bataille. Bon, pour cela, il a peut-être fallu faire des concessions, laisser des choses derrière vous. Donc vous en sortez victorieux, mais ce n'est pas une victoire dont on se targue. Et on vous dit un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun.
En dodec avec le petit Lénormand, nous avons la carte du fouet qui nous parle effectivement de choses qui sont agaçantes, épuisantes, énervantes, qui se répètent, pourquoi pas, enfin qui vous demandent de fournir quand même pas mal d'efforts. Ça peut être en relation avec du financier, avec votre conjoint. Alors si c'est ça, on peut parler vraiment d'engueulade, hein, tout clairement. Si c'est en rapport avec un supérieur hiérarchique, attention, on peut parler de harcèlement. On peut parler aussi de choses qui sont confuses, le fait de ne pas y voir clair par rapport à une situation qui est vraiment problématique et qui peut être un chouïa bloqué ou qui va peut-être vous permettre toutefois d'atteindre quand même vos objectifs et de retrouver de la stabilité. On n'en doute pas parce que quand même franchement, avec le tableau, on a quand même les poissons qui sont au centre. Les poissons est une carte hyper positive. Elle nous parle d'abondance, d'abondance au niveau des finances, des activités, des sentiments. Et on voit bien que vous trouvez des solutions par rapport à tout ça et que ça vous permet vraiment de retrouver du bien-être, de la stabilité, de l'ancrage. Alors ça peut être par rapport à quelque chose de familial qui concerne vos liens ou tout simplement, bah oui, votre progression, le fait de se sentir bien par rapport à vos activités, par rapport à votre famille, par rapport à vos projets. On voit qu'il peut y avoir des nouvelles, des échanges écrits qui vont vous apporter vraiment des belles opportunités pour cette journée. Ça va générer vraiment de l'abondance. Alors ça peut vous arriver de la part d'une personne de confiance, ami, conjoint, famille, personne qui a de l'autorité, qui peut-être travaille même au sein d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Toujours est-il que ça va vraiment vous apporter de la nouveauté et ça va vous permettre vraiment de vous stabiliser. Au niveau de vos activités, famille, émotions, relations, on voit bien qu'on trouve des solutions par rapport à un conjoint, ami, famille, personne sur qui on peut compter, hein, vraiment quelqu'un qui vous soutient. Alors là, on peut avoir des projets, bien sûr, on peut avoir aussi des choses qui étaient un petit peu confuses, sur lesquelles on n'y voyait pas très clair. Bon, bah là, enfin, il y a des choses qui s'éclairent, on trouve des solutions à ce propos. Et c'est vraiment en relation soit avec votre bien-être, avec vos pensées, avec ce que vous pouvez ressentir, soit vraiment avec des projets familiaux et des projets tout court, enfin quelque chose qui concerne la famille ou vos activités. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on voit bien qu'il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. Ça va générer vraiment de l'abondance. En tout cas, c'est vraiment un coup de chance, une chance à saisir au vol qui mettra fin à quelque chose qui a été peut-être compliqué. Ça peut vraiment vous arriver de la part d'une entreprise, d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment où vous avez l'habitude de vous rendre. On la voit bien que on a la tour qui est là, on la retrouve juste en dessous. Enfin, il y a vraiment une belle opportunité à saisir qui vous apporte quelque chose de nouveau et qui va vous faire plaisir par rapport à une situation qui peut-être a été agaçante, épuisante, enfin qui vous a demandé de fournir quand même pas mal d'efforts. Toujours est-il que ça va générer, susciter pas mal d'émotions. Au niveau financier matériel, on voit qu'on a des écrits, des nouvelles d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, d'une entreprise. Ça va vraiment vous permettre de retrouver de l'ancrage, de la stabilité et ça va générer vraiment pas mal d'émotions. En tout cas, ça vous apporte vraiment de la nouveauté. On retrouve l'énergie de l'enfant qui est là également aussi. On l'a aussi une nouvelle fois ici aussi, hein. Donc c'est vraiment double combo. Et pour cela, peut-être que vous aurez des rendez-vous, des entretiens, enfin vous voyez physiquement les personnes. Message de conclusion avec le petit oracle des runes, nous avons tu es un être passionné. Tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser. Bonne journée. Bonjour les vierges, pour vous accompagner ce mercredi, un as de feu, as de bâton. Nouveau cycle, nouveau job, nouvelle passion, nouvel hobby. Enfin, il y a quelque chose qui va vous faire vibrer. Une occasion nouvelle et enthousiasmante, pardon, se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Il y a quelque chose qui va vous mettre des petits papillons dans le ventre, quelque chose qui se met en place. En dodec, avec le petit Normand, on a l'étoile. L'étoile qui nous parle justement de retrouver de l'apaisement, de protection, d'accéder à un souhait, à un vœu. Alors là, on a le soutien d'une personne de confiance, ami, famille, conjoint, personne qui a du pouvoir. Et c'est peut-être en relation avec le foyer, la famille, votre lieu d'habitation, enfin tout ce qui concerne le quotidien. Donc on peut voir au centre du tableau le serpent qui peut nous parler d'une situation compliquée, mais qui nous parle aussi d'une femme de manière générale. Et on voit là qu'il y a vraiment des échanges, des rencontres, des rendez-vous qui vont susciter vraiment de la joie, du bonheur, un beau cadeau qui arrive vers vous, qui va vraiment vous permettre de mettre fin à une situation qui a été certainement compliquée. Là, vous en arrivez au bout et vous pouvez passer à la suite. On a des échanges oraux, des discussions, mais on peut aussi se déplacer ou avoir de la visite. Enfin, on a des nouvelles qui vont vraiment vous faire plaisir pour cette journée. On voit bien que par rapport
à quelque chose de familial, un projet, quelque chose qui était peut-être un petit peu confus, qui vous a mis un petit peu souci, hein, qui a demandé pas mal d'endurance, de courage, d'effort, eh bien enfin, il y a quelque chose qui s'éclaire et qui vous fait énormément plaisir. Pour cela, on se déplace, on a de la visite ou on en a des nouvelles. En tout cas, ça va très certainement vous demander de faire des choix, de prendre des décisions. On a des discussions avec vous, madame, ou une femme proche de vous, et on voit les gens physiquement pour cette journée. Au niveau famille, émotion, relation, donc comme je vous le disais, on a des discussions, or on se déplace ou on a de la visite. Toujours est-il que c'est quelque chose de très agréable qui va vous apporter vraiment de la nouveauté et qui vous permet justement de retrouver de l'apaisement, de la satisfaction, de la protection et d'accéder à un souhait, à un vœu. On retrouve l'énergie des étoiles qui est là, que l'on a en dos de deck. C'est peut-être par rapport à quelque chose qui a demandé de fournir quand même pas mal d'efforts, qui a été bloqué à un moment et qui vous a demandé vraiment d'être patient. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on voit bien qu'on peut rencontrer une femme. Ça vous concerne vous directement, madame, si vous êtes une femme ou alors une femme qui est proche de vous. Par rapport peut-être à une situation qui a été un petit peu difficile, pleine de sacs de nœuds. Enfin, là, il y a de la nouveauté et il y a quelque chose qui permet de mettre fin justement à cette situation compliquée qui vous permet de passer à de la nouveauté. C'est par rapport à votre famille, à vos projets, enfin à quelque chose qui était peut-être un petit peu confus. Là, on en discute et on peut passer à autre chose. Au niveau financier matériel, on a vraiment des rencontres, des rendez-vous qui vont vous demander de faire des choix, de prendre des décisions, et ça va mettre fin à quelque chose qui a été compliqué. On voit vraiment physiquement les gens, hein. On a les jardins qui est là, on la retrouve ici également, et c'est par rapport justement à quelque chose qui peut-être est un petit peu confus, sur lequel vous n'y voyez pas très clair. Là, on voit bien que ça peut être en rapport avec quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein, conjoint, ami, famille ou une personne qui a de l'autorité. Et ça concerne le milieu familial ou professionnel. Message de conclusion avec le petit oracle des runes. Nous avons « Tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et plans que celui dans lequel tu évolues. C'est une belle ouverture qui te permet de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément, ici et maintenant. Bonne journée !» Bonjour les balances, pour ce mercredi, nous avons un 2 de terre. Vous allez jongler avec pas mal de choses en même temps, vous êtes la tête dans le guidon. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Vous allez jongler avec pas mal de choses, il y a peut-être des choix à faire, des décisions à prendre. Bon, ça va bouger pour cette journée, ça va vous demander pas mal d'énergie. En dos de deck, avec le petit Lunar Monde, nous avons la tour. La tour qui nous parle de vos pensées, mais pas que. Ça peut nous parler de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, un lieu où vous avez l'habitude de vous rendre. Là, on peut parler de mouvements financiers, d'abondance financière. Alors, en tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Bon, par rapport à des choses que vous attendiez ou qui peut-être étaient bloquées. Au centre du tableau, on a le serpent qui nous parle soit de choses qui sont un peu compliquées, jalousie, mesquinerie, coup bas, mais ça peut aussi nous parler tout simplement d'une femme. Et là, en rapport avec ce tableau, on peut voir qu'il y a un contrat, une union, un accord, peut-être avec une femme, quelque chose qui se conclut tout simplement, qui vous permet vraiment, vous, d'atteindre les honneurs. Ça peut être en rapport avec quelque chose de familial, un projet, le passé, ou vraiment que ça concerne vos activités, enfin ce qui vous fait vivre au quotidien. Donc on peut avoir vraiment quelque chose là qui se conclut, qui se signe, hein, tout simplement, en rapport avec la famille, le foyer, les activités quotidiennes, et ça va générer pas mal d'émotions. Ça va permettre de mettre fin à quelque chose qui a été compliqué. Ça va vous permettre de retrouver de la sérénité, de l'apaisement, on va se sentir mieux, ou vraiment on conclut, on officialise tout simplement, et ça vous permet vraiment d'accéder à ce que vous souhaitez. Ça vous concerne vous directement si vous êtes une femme ou une femme qui est proche de vous, c'est donc en rapport avec la famille, le foyer, le quotidien, et ça vous permet vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. Au niveau famille, émotion, relation, on voit bien qu'on retrouve de l'apaisement, ou alors on officialise un contrat, une union, un accord, tout cela en relation avec le foyer. Le quotidien, votre bien-être, en tout cas, ça va générer de l'abondance et on voit bien qu'on a des démarches administratives ou alors des échanges de papier, quelque chose où on peut recevoir du courrier écrit. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on voit bien qu'on en termine avec une situation qui a été compliquée, qui a demandé du courage, d'y croire, vraiment de garder espoir. Là, il y a une situation qui se transforme, qui évolue. Ça vous concerne vous directement si vous êtes une femme ou c'est
avec une femme qui est proche de vous. Toujours est-il que ça vous apporte vraiment de la nouveauté. Ça peut être par rapport à un enfant, par rapport à un projet, ou tout simplement de la nouvelle, enfin quelque chose qui se renouvelle, qui vous apporte une bouffée d'oxygène, on va dire, et qui met fin à quelque chose qui a été vraiment difficile. Au niveau financier matériel, on retrouve de l'apaisement par rapport soit vraiment à ses émotions, à ce que l'on peut penser, soit vraiment par rapport à quelque chose qui concerne la famille, les projets, le quotidien, tout simplement. Là, on voit qu'on atteint les honneurs et c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Message de conclusion avec le petit oracle des runes. Tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. Bonne journée. Bonjour les scorpions, pour vous accompagner, ce mercredi, nous avons la carte de l'impératrice, arcane majeur. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. L'impératrice, c'est donc arcane majeur qui nous parle d'abondance, de projets, de choses qui mettent du temps un peu à se mettre en place. On parle de prendre soin de vous, de prendre soin des autres et d'être dans la douceur, dans la patience, dans la persévérance. En dodèque, avec le petit Lenormand, on a l'enfant qui nous parle d'un enfant ou alors d'un projet, de nouvelles qui arrivent vers vous, qui peuvent peut-être vous stresser, vous agacer, ou alors on nous parle vraiment de rapidité. Et il y a quelque chose quand même toutefois qui va trouver solution, qui va vous faire plaisir, qui va vous apporter de la joie, du bonheur, après peut-être quelque chose qui était épuisant, lassant, agaçant. Au centre du jeu, nous avons le livre. Alors le livre qui nous parle de secrets, ou alors de choses qui vous sont révélées, ou encore de démarches administratives, tout simplement. Il y a des échanges de papier pour cette journée, mais on voit bien qu'il y a des choses qui sont confuses, qui vous prennent la tête, sur lesquelles vous n'y voyez pas clair. Ça peut être en rapport avec le familial ou le professionnel. Toujours est-il que vous allez en avoir des nouvelles écrites, et ça va certainement vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer, et d'atteindre toutefois vos objectifs, peut-être après une période qui a été compliqué. Là, on voit qu'il y aura certainement des rendez-vous, des rencontres hein, pour cette journée. On voit toutefois que par rapport à ces démarches, ces choses qui vous sont révélées, c'est des choses qui ne sont peut-être pas agréables, pas faciles, qui vous demandent force et courage, qui vous demandent de garder espoir, mais ça va vous permettre de mettre fin à une situation. Ça va vous apporter de l'apaisement et ça va vous permettre d'accéder à ce que vous souhaitez. Ça vous concerne vous directement, monsieur, si vous êtes un homme, ou ça concerne un homme qui est proche de vous. On voit bien que c'est vraiment quelque chose qui est agaçant, épuisant, qui vous prend un petit peu la tête, mais on vous invite vraiment à fournir, à consolider, à rester concentré sur ce que vous faites et à maintenir vos efforts. Voilà, je cherchais mes mots. On voit bien qu'il y a des nouvelles financières qui arrivent très certainement, ou alors en rapport avec le conjoint, avec un de vos parents ou encore avec un supérieur hiérarchique. Toujours est-il que ce sont des bonnes nouvelles, ça va vous apporter du changement positif. Abondance, n'oublions pas, on a l'impératrice. Et c'est en relation avec la famille ou vos activités professionnelles. Alors ces nouvelles peuvent vous arriver de la part d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Et ça peut être aussi en relation avec une femme. Donc au niveau de vos activités, famille, émotions, en relation, on voit bien qu'on a du courrier, des nouvelles qui vont mettre fin à quelque chose qui a été compliqué et sur laquelle on n'avait pas trop de visibilité, que c'était un petit peu confus. Enfin, c'est des choses qui vous ont pris quand même clairement la tête. Ça peut être en rapport avec un enfant. On retrouve l'énergie de l'enfant qui est là, que l'on a en dodèque, ou en rapport avec un projet. Enfin, il y a de la nouvelle qui vous arrive, toujours est-il, et qui va peut-être justement demander de faire des démarches administratives, des choses qui vont vous être révélées, qui vont peut-être enfin vous permettre de vous éclairer par rapport à une problématique. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a des rendez-vous, des rencontres, on voit des gens pour traiter de choses administratives, de papier, enfin il y a des choses qui vous sont révélées. C'est donc en relation très certainement avec du financier ou alors avec le conjoint ou encore un de vos parents ou une personne qui a de l'autorité. On voit vraiment physiquement les gens parce qu'on retrouve vraiment l'énergie du jardin qui est là, que l'on a juste à côté. Mais bon, c'est vraiment des rencontres qui seront avec une personne de confiance, hein. On est appuyé, guidé, soutenu, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ça va vous permettre d'ailleurs de trancher, décider de façon assez rapide et de mettre fin très probablement à une situation qui est un petit peu compliquée, qui peut être en rapport avec la famille, vos liens, ou alors vraiment par rapport à votre progression, votre stabilité, votre ancrage. Au niveau financier et matériel, on voit bien qu'on atteint ses objectifs par rapport à quelque chose
de professionnel ou de familial. Ça vous concerne vous directement, monsieur, si vous êtes un homme ou un homme qui est proche de vous. On voit bien qu'on va trancher et décider. Ça va peut-être vous permettre de vous libérer d'un lien, d'un contrat, de quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Et c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment d'y voir plus clair par rapport à une situation qui était un petit peu confuse. On retrouve l'énergie des nuages qui est là, que l'on a en début de tirage, mais en bas, on a la faux qui va trancher tout ça et qui va dissiper et peut-être justement vous permettre d'y voir clair par rapport à une problématique. Message de conclusion avec le petit oracle des runes. Nous avons ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Tout est en toi, connecte-toi à ton pouvoir de création, éloigne tout jugement contre-productif, tu peux tout créer. Bonne journée! Bonjour les Sagittaires, pour vous accompagner ce mercredi, arcane majeur, la justice. Décision juste et équitable, confirmez, conformez, pardon, vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Soyez droit dans vos bottes en cette journée les Sagittaires. Vous allez très certainement y voir clair par rapport à une situation et vous sentir bien, vous sentir, oui, en équilibre. C'est assez serein. Au niveau du petit Lenormand en dodec, nous avons les chouettes, donc nous avons les discussions, les échanges par rapport à un contrat, une union, une relation. Ça concerne vos projets, la famille, vos activités, enfin peut-être quelque chose qui n'était peut-être pas spécialement très clair, qui a peut-être été un petit peu dissimulé. Enfin là, on vous apprend des choses. Il y a des choses qui sont mises au jour apparemment. Au centre, pardon, du tableau, nous avons la croix qui nous parle de la fin d'une situation qui a été pénible, qui vous a demandé force et courage, qui vous a demandé vraiment de garder espoir, de garder la foi, qui n'a peut-être pas été facile à vivre. Là, enfin, vous retrouvez l'espoir, vous retrouvez de l'apaisement. Ça va vous permettre de concrétiser un souhait, un vœu, enfin de vous sentir mieux en mettant fin justement à une situation pénible. Et ça vous concerne directement, vous, monsieur, si vous êtes un homme ou un homme qui est proche de vous. On voit bien qu'il y a des choses qui sont agréables, qui arrivent vers vous. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors ça peut être au niveau des finances, ça peut être par rapport à un voyage, enfin un déplacement assez loin de chez vous, ou de la visite de personnes qui viennent de loin, qui vous font plaisir, enfin qui va vous faire plaisir. Enfin, toujours est-il que vous avez quelque chose qui vous apporte de l'apaisement, de la joie, du bonheur, de la sérénité. On voit que ça peut être là, il peut y avoir des mouvements financiers hein, qui vous arrivent, une belle somme d'argent qui peut arriver pour certains d'entre vous, qui vous apporte de l'apaisement, qui vous permettent de vous sentir mieux. Sinon, ça peut être aussi une visite tout simplement d'une personne qui est comme le conjoint, qui peut-être est en déplacement assez loin, ou alors ça concerne un de vos parents, ou encore une personne qui a du pouvoir, qui a de l'autorité. Toujours est-il que là, on voit bien que vous allez retrouver de l'apaisement, de la sérénité, du mieux-être après une période compliquée. Là, tout s'éclaire, c'est le bonheur, c'est la joie. Alors pour certains d'entre vous, ceux qui vraiment sont dans l'attente, eh bien, il peut effectivement y avoir une décision de justice qui tombe, qui met fin à une procédure, et c'est en votre faveur. On peut même avoir une compensation financière pour ceux qui sont dans cette optique-là. Hein. Sinon, on voit tout simplement qu'il y a quelque chose qui prend fin, qui est officialisé, concrétisé, et qui vous permet, vous, de retrouver du bien-être, de la joie, et de vous sentir bien mieux. On voit bien d'ailleurs qu'il y a quelque chose d'agréable qui vous arrive de la part d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, enfin quelque chose qui va vous réjouir. Et c'est ça vous arrive d'une personne sur qui vous pouvez compter, une personne de confiance. On peut parler d'amis, de conjoints, de famille ou d'une personne vraiment qui a du pouvoir. Et encore une fois, c'est en relation avec vous, monsieur, ou une personne qui compte à votre cœur. Au niveau de votre famille, émotion, relation, eh bien effectivement, c'est le bien-être. Hein. On se sent bien, on a de l'apaisement, on est serein, on est oui, apaisé. On peut aussi officialiser, concrétiser quelque chose qui va justement vous permettre de vous sentir bien. On peut officialiser une union, un accord, un contrat. Enfin là, c'est la fête, c'est la joie. Hein. On se sent vraiment hyper cool. Hein. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on en termine avec quelque chose qui a été compliqué. C'est en relation avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. On voit bien que ça peut être en relation avec du financier ou ça concerne le conjoint ou encore un de vos parents ou une personne qui a de l'autorité. Toujours est-il que l'on a des discussions, des échanges à ce propos. On retrouve l'énergie des oiseaux qui est là, que l'on a en dos de deck également, et ça permet de trancher, décider et vraiment d'en terminer de façon assez soudaine et rapide. Ça vous apporte d'ailleurs de l'apaisement, du mieux-être, et ça vous permet d'accéder à un souhait, à un vœu.
on retrouve l'énergie des étoiles qui est là, que l'on a juste au-dessus aussi. Et ça met peut-être fin justement à une situation qui était un petit peu confuse, sur laquelle vous n'y voyez pas très clair, qui vous a posé un petit peu souci. Au niveau financier matériel, eh bien, on a vraiment des échanges là qui arrivent, qui vous apportent la joie, le bonheur et même de l'abondance au niveau des finances. Il y a peut-être des transactions commerciales tout simplement, ou juste une arrivée d'argent qui arrive, que peut-être vous avez attendu, qui s'est fait attendre, qui vous a peut-être demandé quand même pas mal d'efforts. En tout cas, c'est une très belle opportunité qui se présente à vous, un beau coup de chance, hein, qui va vous faire plaisir et qui vous apporte de la nouveauté. Message de conclusion avec le petit oracle des runes, nous avons: tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés. Avance sans crainte. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, pour vous accompagner en ce mercredi, arcane majeur, l'ermite, on vous invite à l'introspection, à faire le point par rapport à une situation. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Un moment de pause, vous avez peut-être tiré des leçons de vie par rapport à une situation pour voir un peu où vous en êtes et vers où vous vous dirigez. En dos de deck, avec le petit Lenormand, nous avons la carte de l'homme. Donc vous, monsieur, si vous êtes un homme ou un homme proche de vous, on voit qu'on retrouve de l'ancrage, de la stabilité, on atteint ses objectifs par rapport soit à des démarches administratives tout simplement, ou des choses qui vous sont révélées, des choses qui sont portées à votre connaissance. On a des discussions, des échanges pour cette journée. Au centre du tableau, nous avons l'enfant. L'enfant qui nous parle d'un enfant, mais pas que, ça peut nous parler de vos projets, de nouveautés qui arrivent vers vous. On voit toutefois que là, effectivement, ce qui était bloqué, ce qui vous a demandé de la patience, qui a été parsemé d'embûches et d'obstacles, eh bien, ça se termine. Il y a de la nouveauté qui arrive vers vous, et ça vous arrive de la part d'une personne qui vous est fidèle, loyale, vraiment sur qui vous pouvez compter. Et c'est vraiment en rapport avec ce qui était coincé, bloqué. On retrouve l'énergie du mont qui est là, et que l'on retrouve donc en début de tirage. On voit bien que ça peut être en rapport avec une femme également, puisqu'on a également la femme qui est là et que l'on a juste en dessous. Donc là, il y a des choses qui arrivent, qui est un renouveau qui se prépare pour vous. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. C'est un beau cadeau et ça va faire vibrer les émotions. On voit bien donc qu'on est sur la fin des blocages par rapport à une femme, par rapport à vous, madame, si vous êtes une femme. Il y a des choses qui vont vraiment vous faire plaisir, qui vont vous permettre de vous sentir bien. On a des échanges, des discussions à ce propos. On a de l'abondance également qui arrive pour cette journée, de l'abondance financière, de l'abondance au niveau des activités si vous êtes indépendant, au niveau peut-être aussi des sentiments tout simplement. Enfin, toujours est-il qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous permettre justement de boucler une situation, d'en terminer avec quelque chose, de passer à la suite. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. On voit bien que ça va vous apporter de la sérénité, de l'apaisement. On peut aussi officialiser, concrétiser de façon très officielle, du coup, pour le coup, hein, quelque chose avec une personne qui a du pouvoir, qui saura peut-être justement vous apporter quelque chose de bien plus apaisant. On voit que ça peut se passer très rapidement. Ça peut être en relation avec un contrat, une union, un accord. Ça peut quand même toutefois générer un petit peu de stress, mais on en discute. Au niveau de vos activités, famille, émotions, relations, on voit que là, il y a quelque chose qui vous fait énormément plaisir, qui vous fait vraiment, qui vous apporte beaucoup d'abondance au niveau peut-être du financier ou au niveau des sentiments. Enfin là, on voit qu'il y a quelque chose qui fait plaisir par rapport à un contrat, une union, une relation. Ça va vraiment faire évoluer, transformer une situation. Ça peut être en rapport avec une femme et ça fait suite justement avec quelque chose qui a été bloqué, qui vous a demandé vraiment pas mal de patience. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on voit bien qu'on retrouve de l'apaisement, de la sérénité, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à un projet, ou soit par rapport à des nouvelles qui vous arrivent. Elles peuvent vous arriver de la part d'une femme, où ça fait suite à une situation qui a été compliquée, sac de nœuds, et enfin là, ça se dénoue, il y a évolution, ça va susciter quand même pas mal d'émotions. Ça peut être en relation avec une femme, ou ça vous concerne vous directement, madame, si vous êtes une femme. Ça fait suite à une situation qui a été peut-être un petit peu confuse, hein, sur laquelle peut-être vous n'y voyez pas très clair. Enfin, là, toujours est-il qu'on a des échanges, on discute, et ça permet vraiment de retrouver de l'apaisement ou encore d'officialiser, de concrétiser quelque chose. Au niveau financier matériel, on en termine vraiment avec une situation, on passe à la suite, on boucle une affaire et on passe vraiment à quelque chose de bien plus réjouissant par rapport à une situation qui a été peut-être compliquée, qui a généré de la peine, des soucis, enfin quelque chose qui vous a demandé quand même pas mal d'endurance. On peut avoir des échanges administratifs, des choses qui vous sont révélées, ça vous est apporté de la part d'une personne de confiance, qui vous est fidèle, loyale, ça peut arriver d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Enfin là, on boucle l'affaire et on passe à la suite. Message de conclusion avec le petit oracle des runes.
On a ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention. À toi de semer les bonnes graines. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, pour vous accompagner ce mercredi, un joli 10 de terre qui nous parle d'abondance. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Vous êtes en sécurité, vous avez tout ce qu'il vous faut pour être bien au quotidien. En dodec avec le petit Normand, nous avons les souris qui nous parlent de stress, d'angoisse, de peur, de vol, de perte, enfin de choses qui grignotent. Hein. Bon, ça va être bloqué avec la montagne. On voit qu'il y a des choses qui demandent force, patience et courage, des choses qui sont agaçantes, qui vous épuisent, qui sont peut-être répétitives. Eh ben dis donc, vous avez la totale là. Hein. Bon là, on voit quand même que vous atteignez vos objectifs, que vous allez pouvoir retrouver de l'ancrage, du mieux-être. Au centre du tableau, nous avons la lune qui nous parle d'atteindre les honneurs, qui nous parle de choses qui sont en relation avec la famille, les projets, le passé, des choses qui sont peut-être un petit peu confuses. Bon là, apparemment, ça va s'éclairer, vu que vous allez en avoir des nouvelles écrites, donc par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de familial, par rapport à quelque chose qui concerne le passé, pourquoi pas, ou tout simplement vos activités au quotidien. On a des discussions, des échanges à ce propos pour cette journée. Ça peut être en relation avec du financier, avec le conjoint, avec un de vos parents, avec une personne qui a de l'autorité. Et toujours est-il que ça va permettre de mettre fin à une situation qui a été difficile, qui vous a demandé force, courage et endurance, qui peut-être a généré soucis, crainte, peine, enfin bon, quelque chose qui n'a pas été facile et qui vous a vraiment demandé de garder de l'espoir. Et bien là, enfin, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, du changement positif qui permet de passer à la suite et de retrouver bah, du sourire quand même, hein, faut dire ce qui est. Bon là, on voit bien qu'on retrouve de l'ancrage, on se sent bien par rapport à ses émotions, par rapport à ses projets, par rapport à sa famille. On a de la nouveauté qui arrive, alors ça peut être aussi en relation avec un enfant, bien sûr, mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui va à... tirer vers le haut, on va dire. Hein. Alors, ça peut être juste par rapport à vos pensées, mais ça peut aussi être en relation avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Enfin là, on voit qu'on a de la nouveauté par rapport à ces projets qui va vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser et de progresser. On peut voir également que par rapport à du financier, ou alors par rapport au conjoint, ou à un de vos parents, ou avec une personne qui a de l'autorité, on peut avoir des petits soucis, des choses qui ne sont pas très claires. On n'y voit pas franchement bien par rapport à une situation, par rapport à une problématique, et du coup, ça génère du stress. On retrouve l'énergie des souris qui est là, que nous avons juste en dodec, et on a des discussions à ce propos. Et on voit même physiquement les gens, peut-être des rendez-vous, des entretiens, mais bon, là, ça va bien se passer parce que vous êtes vraiment avec une personne de confiance sur qui vraiment vous pouvez compter, conjoint, ami, famille, ou une personne qui a de l'autorité. Au niveau du coup, famille, émotion, relation, on voit bien que on a. Alors, on retrouve de la stabilité, de l'ancrage hein, par rapport à une situation financière ou en rapport avec le conjoint, un des parents ou une personne qui a de l'autorité. Vous allez en avoir des nouvelles écrites et ce sont des bonnes nouvelles. On retrouve l'énergie de la cigogne qui est là, qui est juste là, qui nous parle bien de changements positifs en rapport avec quelque chose qui concerne la famille ou vos activités. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on voit qu'il y a du changement qui arrive vers vous, des bonnes nouvelles. Alors ça concerne les projets, la famille, le quotidien, mais on voit qu'il y a peut-être des zones d'ombre, des choses qui ne vous sont pas encore très très claires. Et c'est quelque chose qui du coup provoque un petit peu des retards, des blocages. Enfin, il y a des choses qui vous demandent toujours de soutenir vos efforts, de maintenir vos efforts et d'être dans la patience. C'est quelque chose qui est peut-être répétitif, enfin qui vous agace un chouïa, qui vous épuise peut-être un petit peu nerveusement. Au niveau financier et matériel, on a des discussions par rapport à un enfant, par rapport à des nouvelles, par rapport à un projet qui concerne un contrat, une union, un accord. Là, on a vraiment des discussions avec une personne de confiance sur qui vous est fidèle, qui vous est loyal, et ça va permettre de mettre fin à une situation qui est un petit peu compliquée ou qui a demandé force, courage, endurance. Enfin là, le changement positif arrive. On retrouve l'énergie de la cigogne qui est là, qui est juste au-dessus également. Et ça vous apporte vraiment de la nouveauté. On retrouve l'énergie de l'enfant qui est là, qui est au centre ici. Message de conclusion avec le petit oracle des runes. Nous avons débranche ton mental et plonge dans les eaux profondes de ton inconscient. Écoute ton intuition qui toujours suit les mouvements fluides de l'eau. Expérimente la vie sans chercher à trouver une raison à tout. Prends conscience de la connexion au tout. Ton équilibre émotionnel en découlera. Bonne journée. Bonjour les poissons, pour vous accompagner ce mercredi, nous avons un 5 de feu, 5 de bâton qui nous parle de conflit,
de divergence de point de vue, d'opinion, de concurrence, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflits avec autrui. On vous invite là à entrer dans la bataille, hein, ne pas vous laisser faire, défendre votre bout de pain. Avec le petit Normand en dodec, on a les poissons qui nous parlent d'abondance, abondance financière, abondance de sentiments, abondance au niveau de vos activités. Si vous êtes indépendant, on parle effectivement de mouvements financiers ou alors de voyages, de déplacements ou de choses qui arrivent vers vous, qui vous apportent des solutions. Eh bien, c'est une belle chose par rapport à vos activités professionnelles ou à votre famille. Au centre du tableau, on a les nuages qui nous parlent de confusion, de choses qui ne sont pas claires, des choses qui sont cachées, enfin des choses que vous ne comprenez pas, qui vous prennent la tête, qui vous prennent le chou. Bon, bah là, on voit qu'on peut avoir des nouvelles par rapport à ça, ou des déplacements, de la visite. Enfin, il y a des choses qui vont vous mettre un petit peu le moral dans le brouillard. Alors, par rapport soit à des choses qui sont cachées, soit par rapport à des choses qui vous sont révélées, ou encore simplement par rapport à des démarches administratives. Ça peut concerner la famille, les projets, le passé, vos activités quotidiennes. Là, enfin, on voit quand même qu'il y a de la bonne nouvelle quand même qui arrive, qui va permettre d'aller vers quelque chose de plus positif, en relation peut-être avec le financier ou avec le conjoint, un de vos parents ou une personne qui a de l'autorité. On voit qu'on rencontre les gens physiquement, ça va du coup susciter un petit peu de confusion. On n'y voit pas très clair par rapport peut-être aux discussions, aux échanges que l'on va avoir durant cette journée par rapport à ces rencontres. Bon, pour autant, on voit bien quand même que c'est avec une personne à qui vous pouvez faire confiance, qui vous est fidèle, loyale, mais on voit que peut-être il y aura un petit peu d'agacement, d'épuisement, c'est peut-être des choses un petit peu répétitives. Alors ça concerne du coup vos activités quotidiennes, votre famille, vos projets, quelque chose qui est un petit peu confus par rapport à un contrat, une union, un accord. Bon, bah là, on a des échanges administratifs et ça vous demande quand même force et courage parce qu'on voit là que c'est peut-être quelque chose d'un petit peu ennuyeux. Mais pour certains d'entre vous, pas tout le monde, mais pour certains, on peut parler effectivement de renouvellement de contrat. On resigne des papiers pour renouveler un contrat de travail ou un contrat qui concerne les activités de la famille ou vos activités quotidiennes. Donc on voit qu'au niveau famille, émotion, relation, on rencontre des gens, peut-être en soirée, pourquoi pas. En tout cas, on a de la nouvelle, on se déplace, on a de la visite concernant justement un projet, concernant le passé, concernant les activités au quotidien. On voit que là, c'est quelque chose qui va permettre de transformer, de faire évoluer une situation. Ça peut être en relation avec une femme, ça peut aussi vous apporter du coup de l'apaisement, du mieux-être, c'est protégé donc pas d'inquiétude et ça vous permet quand même d'accéder à un souhait, à un vœu et ça vous apporte vraiment du changement positif, c'est une bonne chose. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on voit que peut-être par rapport à un contrat, une union, un accord, eh ben, il y a un petit peu confusion, on n'y voit pas très clair, ça peut concerner les finances, ça peut être du coup en relation avec quelque chose de financier ou le conjoint ou un de vos parents ou une personne qui a de l'autorité. Mais bon, malgré tout, malgré ce brouillard par rapport à ce contrat, n'ayez crainte parce qu'on a quand même l'énergie du soleil qui est là, qui va vous apporter l'éclaircissement et qui va vous permettre de vous sentir bien, qui va vous permettre de vous sentir mieux et qui c'est en relation du coup avec la famille ou les activités professionnelles. Et ça va susciter quand même pas mal d'émotions, donc nos stress, même si pour l'instant c'est encore un petit peu bloqué et que ça vous demande force, patience et courage. Au niveau de vos activités financières et matérielles, on a des discussions, on a des échanges par rapport à des choses qui vous sont soit révélées ou par rapport juste à des échanges administratifs. Toujours est-il que ça apporte du changement positif. On a la cigogne là et on l'a là également. Donc c'est bien quelque chose qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de mieux. Il y a peut-être un renouvellement de contrat ou quelque chose qui se renouvelle. Ou c'est par rapport à quelque chose qui vous a demandé de fournir quand même pas mal d'efforts, qui peut-être même vous a épuisé un petit peu nerveusement. Ça peut être en relation avec une femme ou vous, madame. Si vous êtes une femme, et on peut parler que c'est aussi peut-être en relation avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel ou une entreprise, mettons l'entreprise pour laquelle vous travaillez, pourquoi pas. Message de conclusion avec le petit oracle des runes, nous avons apprécié les changements de ton corps au fil du temps. Ils sont les marques de ton expérience. Célèbre ce vaisseau qui t'accompagne et embrasse la beauté de tous ces âges. C'est illusoire de vouloir freiner ou accélérer son évolution. Reste en harmonie avec la nature. Bonne journée!